Bonjour à tous, ici Aven Legacy. Nouvel enregistrement pour ma part d'un match de la Ligue. Voilà, je vais essayer de faire ça le plus souvent possible. Ça me semble être un exercice sympa, ça me prend juste un peu de temps, mais ça peut éventuellement intéresser les rares, très rares personnes françaises qui joueraient ce commandant. Déjà que... Trouver un deck Tazri sur internet, c'est compliqué. En anglais. Alors en français, je pense que s'il y a déjà très peu d'anglophones qui sont intéressés. Voilà, c'est un commandant qui n'a pas beaucoup de succès. Mais c'est pour ça aussi que je l'apprécie. J'ai plutôt tendance à apprécier les personnages qui sont des seconds couteaux dans l'univers. Je sais pas, par exemple, à Batman, moi je préfère ses sidekicks, par exemple, typiquement, comme exemple. Donc là, juste le jeu lag. Je vais vite m'en occuper, c'est parce que je suis pas branché mon ordinateur portable. S'il n'est pas branché, le jeu est en galère, voilà. Donc ça va revenir, je vais m'en occuper. Donc nous avons un match ici contre Ajani. Ajani, ce qui est très menaçant, c'est son ulti. C'est aussi un Planeswalker qui peut jouer juste à 3 mana. Si on a un début mou, le commandant va faire vite de la value. Et être loup parce qu'il va économiser des points de vie, parce qu'il va falloir l'attaquer. Enfin voilà, classique des Planeswalkers qui que je joue assez peu et à chaque fois qui m'ennuie beaucoup. Malgré que je joue des decks créatures, je trouve ça un peu compliqué. Heureusement, il y a des contres et quelques anti-Planeswalkers ciblés, mais je joue. Avec Tazri, on a plus envie de jouer des créatures que des spells pour répondre à ce que fait l'adversaire. C'est un peu la difficulté avec ce jeu. Alors là, j'ai incroyable, là, une chance de folie de pouvoir attraper ce serpent qui est vraiment extrêmement embêtant, je trouve. Il produit une quantité folle de mana quand on rampe et tout. Il n'y a même pas besoin de l'engager, ça marche toujours ce serpent. Et puis en plus j'aime beaucoup ces stats qui sont agressives. Donc alors ça va être assez rigolo. On s'échange nos créatures les uns les autres. Enfin, voilà, évidemment c'est reparti, pas de serpent pour l'adversaire. Beaucoup trop embêtant de voir un adversaire qui gagne un mana, voire plusieurs à chaque tour. Très menaçante aussi cette apparition, ça fait partie des cartes que je déteste affronter évidemment. Ah, si elle avait eu le type cléric clair, ça aurait été incroyable, mais malheureusement je ne peux pas la jouer, je la trouve extrêmement forte. Bon, ça va, j'ai de bonnes cartes en main. Ce bâton va faire un taf de fou aussi. Les adversaires qui perdent des points de vie, ça me fait très plaisir. La sentinelle est assez embêtante aussi en soi. Hein. Ça fait partie des cartes que je trouve extrêmement fortes. Et encore une fois, je suis très jaloux qu'il n'ait pas un petit type qui correspond à Tazri. Je ne puisse pas vraiment la jouer, on pourrait me dire que y a certaines cartes qui sont tellement fortes, hein, comme Apparition, comme tout simplement les Elfes à Mana, qui sont vraiment trop forts, que je pourrais jouer dans certains decks, mais je pense que Tazri demande de respecter la consigne, quand même. Il n'y a que Tassa justement que je joue, qui n'a pas le type, mais Tassa c'est un enchantement, pas vraiment une créature. Donc dans tous les cas, elle réduirait pas le coup de Tazri. Hein. Mais sinon voilà, je joue. Le but c'est de jouer les créatures de la partie en nombre équilibré pour pouvoir
poser son commandant moins cher et surtout les trouver en fait. Parce que quand on creuse et qu'on trouve pas grand chose, on a encore moins de chances de trouver pas grand chose si on a des créatures qui correspondent pas au type. Je l'ai découvert assez vite en jouant le petit 1-1 noir humain qui devient un clair, qui est très sympa pour des decks où on garde du mana d'étape, et ensuite on l'active pour le faire passer 2-2, puis 3-3, contact mortel, pioche des cartes, etc. Mais le problème, c'est que on peut pas le piocher avec Tazri. Hein. Donc ça fait une carte morte dans certaines situations. Donc là, on a un Ephemerate et un Airtie de poser. Alors là, c'est très bon. Mais bon, l'adversaire est malin, il va quand même bloquer, et surtout en fait il a 12 points de vie, donc il économise. Mais justement, héroïque intervention fait que au final cet éphéméride va servir, je pense. Mais peut-être pas sur Airtie que je me souvienne. Ouais, si quand même. Il n'y a pas d'intérêt à ne pas le faire. L'adversaire garderait une créature si je blinquais. Si je blinquais le celui qui exile. Et en fait, l'apparition. Pour l'instant, j'ai beaucoup de chance. Elle n'est pas menaçante. Elle ne peut pas être blinquée. Et l'adversaire a perdu beaucoup de points de vie avec son bâton aussi. Beaucoup, quelques-uns. Hein. Mais voilà, là j'ai beaucoup de chance. Janie n'a jamais pu être posée. J'ai des cartes assez puissantes. Là on a un parangon que je vais pouvoir me débarrasser grâce au spell qui exile. Et encore une fois, il y a le bâton qui fait perdre 2 points de vie. C'est comme si j'attaquais. À moins que... dans tous les cas, j'avais pas besoin de ce spell qui exile. Alors, il faut savoir que je suis un joueur qui fait beaucoup d'erreurs parce que j'oublie tout le temps tous les trucs qui peuvent se passer. Là, j'avais déjà oublié que j'avais un Ephemerate dans mon commentaire. Je sais pas ce qu'il en était en jeu. Peut-être que le mois du passé est un peu plus malin, mais... mais je suis pas forcément le... joueur le plus concentré, le plus compétitif, je fais la ligue parce que ça me fait plaisir, parce que je voulais au début mettre en avant mon commandant, qui n'avait même pas encore de salon dédié sur le Discord, je suis vraiment, et globalement je suis la seule personne qui poste dessus, à part ceux qui me font des sympathiques commentaires, ça fait grand plaisir que les gens prennent le temps de lire et de commenter mes decklists. Au final, peu de personnes le font, et surtout, personne d'autre n'a posté une decklist en me donnant sa propre version, comment il jouerait le jeu. Tazri, qui est beaucoup moins intéressant que cet Ajani. Et lui, par contre, est joué depuis un certain nombre de fois dans la ligue. Alors là, le fait de piocher Airtie, de piocher cette Interceptor là, vraiment, ce sont mes meilleures cartes. Elles rendent vraiment le jeu pertinent au niveau de agression, tempo. Voilà, dès qu'on a 4 mana. Et qu'on a ses cartes en main, on peut sereinement agir tranquillement, puisqu'on sait qu'on va pouvoir ralentir l'adversaire et pouvoir mettre ses petits points de dégâts au fur et à mesure. Là, en plus, le token de l'apparition nous aide pas mal. Donc là, ce match va être terminé. Je sais pas, justement, je joue l'impératrice. Et vraiment,
C'est vraiment une carte, ça fait partie des cartes assez folles. Ça fait partie des rares Planeswalker que je joue, un peu systématiquement. Ça m'embête le double blanc, mais que ça fasse un peu tout, en fait, des créatures, un tricks de combat, un removal, en flash, voilà. C'est ma règle des Planeswalker que j'aime pas trop jouer. Voilà, ne peut pas ignorer, c'est la puissance de cette carte. Hein. Et même si ces tokens, voilà, ne sont pas de type du groupe, de partie, c'est quand même vraiment une carte vraiment puissante. J'aimerais bien quand même un jour avoir une autre carte flash, une bonne créature qui fait un peu le même genre d'effet. Voilà. Là, je la remplacerai avec joie. Alors là, c'est. Ouais, là, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette mana time utile. Là, l'idée, c'est toujours d'essayer de poser assez rapidement ce Black Market Connection qui fait vraiment n'importe quoi. Ça fait partie des cartes que. Je suis content que ça existe, mais. Moi, je trouve ça vraiment trop fort, en fait. Donc, voilà, vraiment, là, cette deuxième partie, ça va être le marché qui va faire tout le taf. Hein. Le fait de pouvoir faire du mana et une créature à chaque tour, ça aide énormément. Surtout que je crois que là, j'ai des gros problèmes de land. Ça c'est un truc qui m'embête toujours, hein. Évidemment on a envie de jouer le plus de land possible. J'en joue 42 pour l'instant, un peu systématiquement dans mes decks, avec 3 cailloux, comme ça me fait un peu un chiffre rond de 45 sources de mana, et quand même toujours ces games où on n'arrive pas à en avoir assez, hein. On pourrait dire qu'on n'a jamais assez de land. Bon, il y a quand même des parties qu'on perd, hein, parce qu'on peut piocher des landes, hein, ça évidemment. Mais je sais pas, j'ai toujours plus de frustration à perdre parce que je pioche pas de landes plutôt que l'inverse. Après, là où l'effet inverse peut être embêtant, c'est sur le mulligan où ça m'amène à vraiment faire des mulligans beaucoup plus dangereux. Le fait d'avoir pas assez de landes, puisque. Bah, les mains de land, c'est pas bien. Alors là Ajani n'a pas noté que Ajani était déjà à son ulti. Hein. Si j'avais rien pour le détruire, j'étais pas bien. Bon, là j'avais quand même Zagras aussi. Mais je préfère l'exiler pour ralentir. Voilà, pour que soit posé plus cher en fait. Je sais pas si jouer Zagras était mieux. Puisque ça mettait une créature agressive dès le tour suivant, après avoir tué cet ingénie, on pouvait tuer l'adversaire, mais voilà, là Nissa clairement, encore une fois, un adversaire qui se met dans une bonne position, hein, si j'ai pas des réponses adéquates. Hein. Vraiment, c'est tout se joue au fait que j'ai la chance d'avoir mes bonnes cartes. Alors là, je vais mettre beaucoup de temps à réfléchir. Je suis désolé, je perds beaucoup. Enfin, beaucoup. Je perds parfois, assez régulièrement, on va dire, des games aussi parce que je joue mal. Et parce que le temps me stresse. Et la corde, je veux dire, le temps qu'on te donne sur une partie quand tu joues de manière classique sur la queue. Là, le fait de ne pas avoir ce timer quand on joue juste entre amis dans le cadre de la ligue, ça me fait du bien. Et déjà, ça permet de ne pas perdre des games juste parce qu'il y a une déco et tout, parce que moi j'ai régulièrement aussi des fois des soucis de déco
Là, techniquement, maintenant que j'ai un peu changé d'endroit où j'habite, ça devrait aller mieux, mais autrefois, c'était terrible, les parties de draft perdues, juste parce que il y a la déconnexion classique en campagne, on ne peut pas trop. Vous avez sûrement entendu, protection contre le virus. Ça, c'est compliqué, je devrais peut-être mettre le son à zéro quand je commente. Donc là, ouais, je réfléchis, je mets beaucoup de temps à réfléchir, je suis vraiment désolé. C'est juste pour voir comment je dois jouer ce Zarga, ça c'est sûr, pour tuner ça. Là, c'est comment le jouer le mieux possible. Est-ce qu'on peut arriver à économiser des points de vie, à tuer, enfin, à tempo ce 4-4 piétinement pour 3 qui est vraiment hyper vénère, hein. Ça, c'est des cartes que j'envie un peu, hein. Et donc oui, ça devrait aller. On peut trade ce land, alors vraiment trade un land, ça fait plaisir, ça par contre. Enlever un land à l'adversaire, c'est cool. Mais voilà, est-ce qu'on peut bouncer ça? Est-ce qu'on a besoin du trésor absolument? Non. C'est bon. On peut jouer Zagras, plus garder autre chose. De côté, voilà, parce que là justement on voit que je n'arrive pas à piocher dedans, hein. C'est assez terrible, et moi j'aime pas utiliser l'action payer 2 points de vie pour piocher une carte, étant donné que le trésor, je trouve ça potentiellement mieux en fait, puisque c'est comme parce que si on pioche une carte et qu'on trouve pas de land, bah on est embêté, alors qu'un trésor, toujours bien, ça c'est sûr. Et faire une créature, ça fait perdre quand même pas mal de points de vie. Donc rajouter 2 points de dégâts supplémentaires, là, c'est vraiment la gloutonnerie. Et c'est pas forcément la bonne idée. Moi, j'ai mis du temps à jouer ce marché noir parce que justement, je voyais des adversaires qui perdaient à cause de ça. Donc, comme la reine Phyrexiane, je me disais, c'est pas fou. Mais en fait, si je les mets systématiquement dans mes decks maintenant, puisque créer une bête, en fait, et surtout faire un trésor, ça me semble beaucoup mieux que piocher des cartes, en fait. Donc ouais, ça c'est. Là, on va y aller un peu plus mollo, hein, sur la perte de points de vie. L'adversaire est toujours à 21, donc il faut arriver à mettre du board. Alors j'ai un Razzboard qui. Voilà, il y a toujours des. Là j'ai le marché noir, j'ai le Razzboard, enfin j'ai toutes les bonnes cartes de cette extension Baldur's Gate qui a rendu le fait de jouer Tazri pertinent. Donc on va commencer à pouvoir attaquer. Mais pas trop. Voilà, on garde. De créatures en bloc, bon, te sont attaqués avec le sorcier, c'est pas très utile, mais voilà, on peut y aller un peu plus. On pourrait être puni quand même à se prendre double removal, into 4-4, je t'attaque, il reste 2 points de vie. Alors, on a une spécialiste en extraction qui pourrait permettre plus tard de bloquer, de regagner quelques points de vie, mais voilà. Donc là, justement, on a pu jouer notre Zagras tout en gardant 3 manas. C'est ce que je cherchais à calculer au tour d'avant où j'ai mis des plombes à réfléchir. Puisque je sentais bien que chaque fois, quand on a un contre-sort, il faut toujours le garder up dans sa main, sinon après on le regrette. Même si Elspeth n'était pas. Bah, si, ça faisait voler le 4-4 qui me mettait 5 dégâts, si, ça me mettait très mal quand même. Ça me mettait très très mal. Donc ouais, il fallait absolument garder un contre-up. Sinon, vous pouvez clairement perdre cette partie. 4-4, enfin 5-5 vol piétinement, c'est un peu la folie. Donc l'adversaire qui a de l'early game dans la main, donc ça va. Ça va, là je voulais regarder. J'ai toujours peur de prendre un adieu. C'est vraiment trop trop fort. Voilà, il n'y a pas besoin d'attaquer trop. On met 7.
sur mes 7, après derrière c'est bon. Il y a le token food, mais je suis quand même, même s'il me reste que 5 points de vie, ça va. Ça va sur cette game, elle était tendue quand même. On voit bien que le marché a fait beaucoup de taf, comme je disais. Moi, je suis content quand les adversaires perdent des points de vie, mais c'est évidemment le même cas pour mes opposants qui me voyaient perdre des points de vie. Et ben c'est bon, c'est terminé. Je vous remercie si vous avez écouté ce commentaire. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Salut!